Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Fontaine de Vaucluse. Là, aujourd'hui, ça va être une vidéo assez spéciale. Il y aura trois parties. Donc, au Fontaine de Vaucluse, à notre prochaine destination sur une prochaine vidéo. Et une troisième destination qui sera sur une troisième vidéo. Restez surtout connectés. Et à tout de suite. Et voilà, nous sommes enfin arrivés au gouffre. C'est juste là en bas derrière moi, là, juste ici. C'est magnifique, le cadre est vraiment beau. C'est blindé de monde. Il y a des cascades partout là, tout le long. On va aller tout là-haut. Là, on a une vue sur le village. Et là, on est en direction du château qui est juste là-haut. Allez, on y va tout de suite.
Et voilà, nous sommes enfin arrivés au Mobilhome, au camping du pont d'Avignon. Et c'est assez cosy. Regarde cette petite cuisine qui est toute petite ici, avec le frigo tout petit, le petit frigo avec le micro-ondes. Et c'est vraiment un bon petit coin. La petite table avec le canapé, là, le petit toilette qui est juste là, la chambre pour les enfants qui est juste ici. On a déjà mis les draps. Là, on est en train de préparer notre chambre pour ce soir. Et on a mis le lit du bébé juste là. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Et là, la salle de bain. Vraiment une belle salle de bain. Regardez. Avec ce petit basque qui est juste là. C'est vraiment pas mal du tout. Donc ce soir on passe la nuit ici et demain on fait la visite d'Avignon. Donc là on va faire une petite exploration de ce camping. Reste là, on y va tout de suite. Le plan du camping, donc nous on se situe juste ici. L'entrée du camping est ici. Et là on va aller faire tout le tour, voir un peu ce qu'il y a. C'est bien quand même. Donc là t'as des emplacements pour les tentes ou les caravanes. Et là, tous les mobilhommes sont de ce côté-là. Là, en face, tu as une cour de tennis. Un petit coin loisir pour les enfants. Je profite de ce petit moment de détente pour vous annoncer un projet qu'on a à cœur avec ma compagne, de partir 8 jours au Portugal. Donc on compte faire tous les jours une ville différente. On partirait de Lisbonne et on descendrait dans le sud du Portugal pour remonter et finir à un endroit spécial. Je vous en dis pas plus. Donc j'ai juste ouvert un compte Tipeee. Je compte sur vous si vous voulez m'aider à financer ce projet. Et je vous en remercie de tout cœur. Touche pas. Et voilà, la vidéo est terminée. Aujourd'hui, nous étions en Fontaine de Vaucluse. On termine cette vidéo au camping à Avignon. Demain, je vous remets une autre vidéo. Restez connectés. Et surtout, j'ai un compte Tipeee. Alors, n'hésitez pas à m'aider. À tous les amis et à demain.